vous retrouver, on est le 4 juillet et c'est sous le soleil de ce mois de juillet qu'on vous retrouve pour notre 74e émission. Sachez que mercredi nous serons le 6 et ce sera la journée mondiale du bisou, on m'a dit de dire. Et ce sera aussi l'anniversaire de Karine, à notre chroniqueuse. Vous le savez qui fait plein de choses de ses mains, donc on lui envoie un bisou aussi puisqu'elle fête ses 53 ans cette année. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Elle ne les fait pas. Non, complètement pas. Nous sommes entourés cette semaine de nos deux chroniqueuses, Virginie et Elodie, qui vont nous parler de quoi. On va le savoir tout de suite. Elodie, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors moi, je vais vous proposer un tote bag pour l'été. Un tote bag, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un sac de plage d'été, on peut dire. De plage, mais maintenant, on s'en sert de plus en plus dans la en ville aussi, un sac de ville aussi. D'accord, très bien. Tout à fait. Et alors avec toi, Virginie, de quoi on va parler? De comment préparer sa peau à la première expo au soleil. D'accord, donc si voilà. Vous partez là début juillet, c'est le moment, ou même pour août, puisqu'on peut la préparer avec un peu d'avance. Voilà. C'est même mieux. C'est préférable. Voilà, et un visage que vous ne connaissez pas, juste à côté de moi, c'est normal, puisque c'est l'invité de la semaine, c'est Sophie. Bienvenue Sophie. Merci. Qui actuellement se dit, mais dans quelle équipe je suis tombée, parce qu'il y a plein d'images de tournage que vous n'avez pas vues. On la retrouvera dans quelques instants pour la séquence invitée et vous découvrirez donc de quoi nous parlerons avec Sophie. Allez, tout de suite, on commence l'émission avec la rubrique DIY d'Elo. C'est tout de suite après le jingle, c'est parti. Aujourd'hui, pour ma rubrique DIY, donc do it yourself, fais-le toi-même, je vous propose le tote bag. C'est le fourre-tout, le sac que vous pouvez rencontrer dans la rue en ce moment ou qui sera très bien sur la plage pour mettre votre serviette, votre crème solaire, vos lunettes de soleil, tout ce que vous voulez. Et votre iPad avec HP Hour dessus. Alors, pour cela, il vous faut du tissu assez épais. Donc, celui qu'on retrouve le plus souvent, c'est le blanc cassé, le tissu blanc cassé. Mmh. Mais moi, j'ai voulu en faire un peu coloré. Donc, j'ai choisi un tissu coloré. Et un petit peu épais, tu le disais. Oui, parce que... Un peu toile de jute, un truc comme ça. Voilà, il faut que ça soit solide. Donc, dans votre tissu, il faut découper un rectangle de environ 75 cm de long et 40 cm de large. Vous aurez la fiche technique sur la page Super Web. Bien sûr. Donc, il faut ce rectangle-là et deux rectangles d'environ 70 cm de long. Et après, de large, entre 3 et 4... Ouais, un peu comme des bretelles. Voilà. De 70 cm de long, surtout, à peu près. Après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez le porter très long, vous pouvez agrandir les bretelles. Oui, c'est ça. C'est pour ajuster la taille, la hauteur du sac. Donc, pour commencer, il faut que vous... pliez votre tissu, donc endroit contre endroit, pour avoir donc l'envers du tissu. Vous le pliez en deux et il faut coudre le long des deux bords, mais pas celui du haut. D'accord, oui, évidemment, puisque ce sera l'ouverture du sac. C'est mon principe. Voilà, le haut c'est l'ouverture du sac. Donc vous, il faut coudre sur le côté. Voilà, les deux côtés, sur environ 1 cm du bord. 0,05 cm du bord pour que ça soit pratique. Et ensuite, il faudra le retourner. Et ensuite, il vous reste à coudre les bretelles. Les bretelles, ça se dit comme ça, français? Les anses. Bien joué. C'était pour voir s'il suivait. Ou les lanières, pour faire plaisir à Virginie, on va dire les lanières. Ne la vexons pas, elle a encore sa chronique à faire. Donc, le but, c'est de coudre la anse ou la lanière sur le même côté, donc comme ceci, comme ça, et de l'autre côté. Ah oui, d'accord, il y a deux lanières après dans le sac, après vous le verrez sur la fiche technique, mais nous, pareil. On sera d'accord. Oui, en tout, il y a deux lanières. Si vous me permettez, je couds tout ça pendant que Virginie fait sa chronique, et on te retrouve en fin de chronique pour voir le résultat final. Mais on est calé, c'est incroyable. Ça sent la fin de la saison. Alors, et ben merci Elodie, on se retrouve dans quelques instants effectivement pour la suite de ta chronique. Je suis là, vous êtes là, nous sommes tous là. Et dans quelques instants, donc juste après ce jingle, on découvre ta rubrique pour préparer notre peau, votre peau, au bronzage sur les plages cet été. C'est parti. Donc vous avez envie d'une peau dorée cet été, enfin on y est. On est en bain de plage. On va voir tout ça en trois étapes essentiellement. À préparer de préférence 3 semaines à 1 mois avant votre première exposition au soleil. Donc pour ceux qui partent au mois d'août, c'est parfait. C'est bon, on est droit. Donc la première étape, se faire des gommages 2 fois par semaine de préférence. Alors, soit avec un produit acheté en grande surface, voilà. Ou alors, on avait vu aussi la recette en compagnie exact. De nos miss. Oui, que l'on salue lors de la foire de table. Voilà. Donc, à pas hésiter à refaire aussi.
Et derrière, donc on hydrate avec un soin hydratant trouvé aussi en grande surface ou quoi, et en buvant beaucoup d'eau. D'accord. Voilà. Donc tout ça un mois avant de s'exposer à peu près. Voilà, tout à fait. Après, donc on active sa mélanine en vitamine A en mangeant essentiellement des carottes, des épinards ou des tomates. Qui sont des produits de saison, donc c'est parfait. C'est parfait. Et donc après, pour ne pas souffrir de l'exposition des rayons en fait sur la peau, on peut manger, c'est conseillé, du raisin, toujours de la tomate ou de la goyave. D'accord. Essentiellement. Le tout en se protégeant toujours d'une bonne crème Indice 50 pour certains. Voilà. C'est ce qui est même le mieux d'ailleurs. Une bonne crème voilà, pour pas s'abîmer ou se brûler la peau dans tous les cas. Voilà, maintenant que vous êtes prête à... Enfin, est prêt. Ouais, parce que moi je vais au soleil aussi, il n'y a pas de raison. À partir bronzer sur la plage et à maintenir un beau bronzage pour la rentrée. Donc vous nous envoyez vos photos de vos corps et de vos petits visages tout bronzés. Mm-hmm. On les mettra en ligne sur la page Facebook de l'émission, HP Hour, vous le savez. Et puis le gagnant remportera une soirée avec Virginie. Ou Steve. Oui, au voilà, choix. Au choix. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Allez, on passe à la séquence l'invité de la semaine. On reçoit cette semaine Sophie. Et nous allons parler avec elle dans quelques minutes du sujet qu'elle vient nous présenter. C'est parti. Alors Sophie, bienvenue, merci de venir faire un petit tour sur le plateau d'HP Hour. Alors vous êtes venue nous parler d'une structure, je ne sais pas si le mot est bien choisi, qui s'appelle EcoGaz, mais vous allez nous expliquer qu'en fait c'est un peu plus complexe que ça, et nous dire aussi ce dont il s'agit, puisqu'on parle du biogaz, enfin j'en ai parlé dans la présentation de la semaine dernière, mais peut-être que vous pourrez l'expliquer davantage. Donc éclairez-nous. EcoGaz, c'est un nom qui a été choisi pour qualifier un petit peu une démarche. L'idée, c'est de... Aujourd'hui, sur nos territoires, on est en mesure de produire du gaz, ou plutôt biogaz, qui est donc grâce à la méthanisation. Donc on peut expliquer ce que c'est le phénomène de méthanisation pour les gens qui nous... Alors la méthanisation, en fait, c'est récupérer donc, de la matière organique. Moi, je travaille dans le secteur agricole, donc c'est tout ce qui est effluents d'élevage, fumier, lisier, résidus de culture. On met ça dans des grands silos qu'on va brasser. Et donc, la matière organique, en se dégradant, grâce à l'action des bactéries, produit un biogaz qu'on va ensuite épurer pour arriver à une molécule, enfin, qui est donc similaire au gaz naturel qu'on a dans nos villes, le gaz de ville. C'est donc du méthane. Il s'avère qu'avec le méthane, on fait beaucoup de choses. On chauffe nos maisons, on fait notre nourriture. Mais aujourd'hui, on peut également l'utiliser dans les véhicules. Et on appelle ça du gaz naturel véhicule, ou plus simplement GNV. Voilà, donc moi je travaille avec des agriculteurs depuis quelques années pour les accompagner sur leur projet de création d'unités de méthanisation. Et petit à petit, s'est développée l'idée de pouvoir utiliser ce gaz sur nos territoires, avec l'idée magique de se dire, bah, nos vaches vont produire du gaz et on roulera grâce à ce gaz. Grâce à ce gaz. Donc là, c'est actuellement déjà possible, on produit déjà ce gaz. Alors, sur les Hautes-Pyrénées, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Émerger, donc, ouais. Il n'y a pas encore de production de gaz. Et l'idée, en fait, a été développée. C'est vrai que, travaillant dans le secteur agricole, les agriculteurs, depuis des années, essayent de développer des filières qu'on appelle courtes. Hein, l'idée, c'est de valoriser sur nos territoires les produits qu'on a sur nos territoires. Et donc on a mis tout le monde autour d'une table avec un transporteur pour pouvoir échanger sur la possibilité, voir ce que les uns et les autres pensaient de l'utilisation du gaz. Et ces rencontres multiples et nombreuses, et ben on fait qu'on a appris à se connaître, qu'on a appris à travailler sur cette question-là, jusqu'au jour où collectivement on s'est dit, eh ben allez, soyons fous. On va créer une station de distribution de gaz sur le territoire de Tarbes. Voilà. Donc on a monté une structure qui s'appelle Combustible Naturel des Pyrénées, dans laquelle sont représentés donc, les transporteurs, les agriculteurs, et je dirais les initiateurs du projet. Et on a acquis donc, un terrain sur la commune d'Ibos, dans la zone artisanale d'Ibos. Et on travaille actuellement donc, à la création de cette station
pour pouvoir ouvrir la distribution au mois de février ou janvier ou février l'année prochaine. D'accord, donc ça veut dire que courant 2017, effectivement, les gens pourront bénéficier, et ils pourront réellement se ravitailler en essence, enfin voilà. en gaz pour voiture. Hein. Voilà, donc dès janvier ou février 2017, on pourra avoir des véhicules, ravitailler des véhicules au gaz. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, les premiers concernés, enfin ceux qui vont donner un petit peu le pas sur cette thématique-là, sont les transporteurs, parce que le diesel étant polluant, aujourd'hui, ils souhaitent limiter donc, les émissions produites et les particules produites, et que le gaz permet ça, puisque le gaz limite, ne produit pas de particules, produit très peu de CO2 et produit pas d'oxyde d'azote. Donc on se retrouve avec un produit qui est tout à fait vertueux. Propre, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, les premiers concernés, je dirais, sont les transporteurs, hein, qui consomment des grosses quantités aujourd'hui de grosses quantités de carburant. On attend que les camions gaz arrivent. Hein, ils existent déjà, donc aujourd'hui, il faut les acquérir. Mais également sont concernés tous les utilisateurs, tous ceux qui roulent. Hein, depuis monsieur et madame. Oui, tout le monde avec sa voiture voilà, pour aller travailler. Les commerciaux, les ambulances, les taxis, les livreurs, tout le monde peut être concerné, en sachant qu'il faut pour cela acquérir un véhicule qui roule au gaz et que la plupart du temps ce sont des véhicules hybrides essence et gaz. D'accord. Qui sont déjà également sur le marché Alors, il y en a quelques-uns sur le marché, mais très peu. On en trouve beaucoup aujourd'hui dans les pays voisins, en Italie, en Allemagne, en Suisse. Les constructeurs français n'ont pas développé de véhicules gaz, mais on peut éventuellement faire monter un module gaz naturel sur des véhicules essence. Alors, je dirais des véhicules essence, pas les derniers modèles, puisque l'électronique fait oui. qu'aujourd'hui, on peut difficilement faire évoluer ses moteurs quand les véhicules sont neufs. Mais sur les vieux, sur les modèles un peu plus anciens, c'est possible. D'accord. Voilà. Sinon, on trouve aujourd'hui des véhicules gaz, des constructeurs comme Fiat, Volkswagen, etc. ont des véhicules ouais. au gaz, qui sortent d'usines au gaz. Et au niveau de la France et même du nombre de ces véhicules produits, peut-être que ce sera aussi proportionnel à ce nombre de stations qui seront, plus il y aura de stations, plus il y aura de véhicules proposés, probablement. Aujourd'hui, on est limité par l'absence ou le fait que les stations soient limitées. Proche de chez nous, il y en a une à Mont-de-Marsan, il y en a une à Saint-Giron, une à Toulouse. Ah oui. Pour Tarbes, on aura ça au mois de janvier l'année prochaine, avec un grand intérêt donc, qui est le côté environnemental. Et puis également le côté financier, puisque rouler au gaz coûte beaucoup moins cher que rouler au gasoil. Oui, je crois que un plein, c'est aux alentours d'une quinzaine d'euros, je crois, même un peu moins suivant les véhicules. Moi, j'ai une Clio qui roule au gaz. Avec 10, 12 euros, je fais 350 km. Ah oui. Voilà, donc c'est important aussi, et c'est la raison pour laquelle vous êtes venu nous rendre visite aujourd'hui, qu'il faut transmettre l'information, que les gens s'en emparent et soient effectivement au courant. Voilà. D'ailleurs, pour ce faire, vous avez le site hein, www.ecogaz.com qui s'affiche actuellement sur votre écran. Je voulais en savoir également un peu plus, Sophie, sur vous, sur votre parcours, sur cette sensibilité pour l'écologie au sens large, et puis pour avoir l'énergie pour mettre en place cette structure, enfin voilà, d'où ça vient. Alors moi, j'ai travaillé très longtemps dans les pays du Sud, en Afrique et en Amérique du Sud, sur des questions de développement agricole, donc avec chaque fois la mission d'aider les populations locales, enfin les gens avec qui je travaillais, donc de développer la production pour pouvoir vivre mieux et aménager les territoires sur lesquels ils vivaient pour pouvoir vivre mieux dans de meilleures conditions. Après, j'ai travaillé en Afrique quelques années sur les questions de parcs nationaux et d'aires protégées, avec l'objectif d'aider les différents pays d'Afrique centrale à travailler ensemble et à mettre en commun leurs compétences pour pouvoir résoudre au mieux, au plus vite et avec le moins de moyens les problèmes face auxquels ils devaient faire face, quoi. Et donc, dans les Hautes-Pyrénées, j'ai travaillé
avec les agriculteurs sur la création d'outils pour pouvoir développer des filières courtes. L'idée chaque fois est de permettre aux gens sur un territoire qui ont un savoir-faire, qui produisent, de pouvoir mieux vivre de leur production. Et du coup de pouvoir s'inscrire dans la durée. Quoi. Et quand j'ai commencé à travailler sur la méthanisation, bon, c'est comme ça que m'est venue l'idée d'essayer de se mettre tous ensemble. Donc tous ensemble, c'était des gens avec des métiers différents. Donc des agriculteurs qui produisent et qui sont fiers de montrer les produits qu'ils ont. Donc le méthane est une nouvelle production pour l'agriculteur. Et également donc de travailler conjointement avec des gens qui sont utilisateurs de ces produits et qui du coup ils ont un intérêt et souhaitent pouvoir parler de ça et le valoriser. Et le gros intérêt, c'est de travailler tous ensemble sur un même territoire, se dire qu'on a des potentiels qui sont énormes et que même si aujourd'hui tout tourne vers ou tout nous tire vers une concentration des grosses entreprises, des pouvoirs de décision centralisés, et qu'on a des territoires des fois qui s'appauvrissent un peu, et ben l'idée c'est de dire non, voilà, on peut faire des choses, associons-nous, c'est l'intérêt de nos territoires, hein, on n'est pas nombreux, donc on se connaît, on peut communiquer, on peut rencontrer des gens qu'on verrait pas forcément dans des grandes villes, hein, parce que un agriculteur, il n'est pas forcément en lien avec un transporteur dans une grande ville. Bon, ici, à Tarbes, on peut le faire. C'est la richesse de notre territoire. Donc, profitons-en pour pouvoir créer des choses nouvelles. Voilà. On a besoin d'économique, on a besoin de dynamisme, on a besoin d'innovation. Et la station de Tarbes, à ce titre-là, sera complètement innovante, puisque c'est, de par sa forme juridique, mais enfin, de par cette association, mais également par le fait d'avoir sur un même site, enfin d'associer agriculteurs et transporteurs, ça va être complètement innovant à l'échelle française. Et bien donc on se donne rendez-vous l'année prochaine, en début d'année 2017 pour l'inauguration. Exactement, pour l'inauguration. Merci beaucoup Sophie, je vous rappelle www.ecogaz.com et qui s'inscrit sur votre écran. Décidément j'ai du mal avec les coordonnées aujourd'hui. N'hésitez pas si vous voulez vous renseigner, le site est très bien fait. Voilà, être au courant puis faire circuler l'information. Parler aussi et communiquer des richesses que nous avons sur notre territoire, c'est ce que l'émission s'évertue à faire aussi, en se rendant des acteurs locaux. Donc on est ravis de vous avoir reçu. Et maintenant j'ai une question importante, vous travaillez avec des agriculteurs, vous nous l'avez dit, donc je pense que vous êtes au fait des bons produits, voilà. Est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous aimez manger? Oui, bien sûr. Et bien ça tombe bien, puisqu'on va passer à table tout de suite avec Véro de Pop Cuisine, qui vient nous proposer, vous le savez, chaque semaine, ses recettes de cuisine alternatives. Donc là aussi c'est avec des produits de saison et puis du territoire, hein, d'apprendre des petites recettes simples et alternatives. Juste avant, on va voir où tu en es, Hello, avant de rejoindre Véro en cuisine. Ça y est, j'ai terminé. Alors voyons. Vous voyez. Voir. Oui. Oui. Ah ouais. Donc après, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Moi, j'ai fait un petit dessin. Voilà, vas-y, mets-le. C'est magnifique. Ah, super sympa. Alors, donc, les coordonnées, parce que les coordonnées d'Elo, bon, comment vous dire. Enfin, il y en a qui sont intéressés, mais on ne les donnera pas. La fiche technique pour réaliser votre... comment tu dis là? Tote bag. Voilà, c'est sur la page Facebook de l'émission. Allez, on se retrouve dans quelques instants en cuisine, juste après le jingle de Véro, pour découvrir la recette de la semaine. Je crois que c'est un rapport avec la détox. Ça tombe bien pour l'été. Voilà, et on fait le vide, on se nettoie un peu. Et puis voilà, après pour profiter de la plage, on y va, c'est parti. Salut Véro. Ça va? Très bien, très bien. Alors Sophie, Véro, ouais. Voilà. Salut. Ne tombez pas, c'est un peu le bordel. Voilà, voilà. Alors on parle détox, je crois, Véro, cette semaine. Oui, cette semaine on va parler détox. Donc je vous ai préparé une petite eau détox. Alors dans notre eau détox, ça se fait très très vite aussi. Voilà, logiquement, voilà. Alors j'ai mis du concombre. D'accord. J'ai mis du citron et de la menthe fraîche. Voilà, tout ceci. Alors le concombre va aider à éliminer au niveau du foie. Le citron va régénérer le foie
et la menthe va donner le côté un peu dynamisant. D'accord. Donc, alors c'est une eau qui va nettoyer un petit peu votre foie, voilà. Et c'est une eau que vous pouvez boire tout l'été, qui est très rafraîchissante par le côté citron-menthe. D'accord. Donc voilà. C'est dans un litre d'eau à peu près ou moins? Voilà, dans un litre d'eau. Voilà, un litre d'eau, vous mettez un demi-citron, vous mettez, un petit quart de concombre, quart, comme ouais. ça. Et vous mettez quoi, une vingtaine de feuilles de menthe. D'accord. Voilà. Et on met au frigo, on laisse. Et vous mettez au frigo. Alors ça, au frigo, il faut le laisser macérer de 4 heures à 6 heures. D'accord. Alors si vous le faites la veille pour le lendemain, c'est délicieux. Parfait. Voilà. Alors là, on est sur l'eau détox. Vous pouvez, quand vous faites des buffets cet été ou des petits apéros. Voilà. Pour changer un petit peu de. On va sortir du côté alcool pour les enfants. Voilà. Vous préparez plusieurs bouteilles comme ça, avec vous les mettez dans de la glace bien frais, et vous pouvez rajouter aussi donc des fraises. Voilà, ce qui voilà, j'essaie. Donc de saison. De saison, oui, oui, ça peut être ouais, des fraises, ça peut être d'autres fruits, hein, des framboises, etc. C'est bon, c'est voilà. Framboise. Et vous allez faire des bouteilles magnifiques. Voilà. Est-ce qu'il faut que ça soit fermé? Quand tu laisses au frigo, par exemple, ça garde quelque chose ou... Oui, voilà. En général, c'est bien de fermer au frigo pour pas que ça prenne. Le frigo dégage toujours une petite odeur. Ouais. Il peut y avoir autre chose dans ton frigo qui peut altérer à cette eau-là. Voilà. Tu vois, et on peut jouer sur les couleurs, joli. Sur ouais. beaucoup de choses. Les couleurs sont super simples. Voilà. Alors, après, bon, aujourd'hui, c'est ceci. Et vous laissez comme ça. La petite bouteille, mis à part ça, je l'ai achetée chez Casa parce qu'il y a un petit bouchon. Ah. Chez Ikea, Midika. Voilà, chez Ikea, chez Midika, chez Alinéa, tout ça. Tous les trucs en A. Voilà, tous les trucs en A. Vous voyez, ça fait quelque chose de très très joli. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je ne les ai pas amenés pour rien, c'est mettre des fleurs de souci. Alors, souci ou calendula. Sachez que c'est une fleur qu'on peut manger, des feuilles. D'accord. Voilà. Donc, même pour vos salades, vous pouvez très bien. Voilà, effeuillez un petit peu comme ça et vous jetez tout ça sur vos salades. C'est magnifique. D'accord. Pour. De soucis, à ne pas faire avec n'importe quelle fleur. Hein. Voilà. Évidemment. Avec du pissenlit, ça peut? Oui, avec du pissenlit, oui. Ouais. C'est des fleurs cosmétiques. Voilà. Voilà, du coquelicot? Oui, le coquelicot, oui, aussi. Oui. Et les capucines, vous allez avoir. Il y a des pansées aussi, il y a des pétales de rose. Vous pouvez jouer sur les pétales de rose. Alors, mis à part ça, on peut faire aussi. Je voulais une eau de pomme. Alors, pareil, bon, il y a le côté agréable, frais, etc. Et pour un côté un peu plus digestif, on va dire, vous coupez de la pomme, comme ça, vous le laissez macérer et vous mettez un bâton de cannelle. D'accord. Voilà. Et là aussi, quand vous avez fait une soirée un petit peu copieuse, etc., vous sentez que le foie est un petit peu fatigué, pendant 2-3 jours, vous buvez ces eaux-là. Et ça va vous aider à... Oui, complètement. Oui, ça nettoie bien le foie. D'accord. Voilà. Vous voulez goûter? On veut goûter. Allez, c'est parti. Alors celle-ci, elle a macéré 4 heures. Et voilà, pendant que nous allons déguster cette eau détox, je voudrais vous remercier de nous avoir suivis. Merci Sophie d'être venue dans l'émission. Merci les filles, merci Véro. Et puis nous, on se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine, comme tous les lundis. On recevra la semaine prochaine Corinne Escox de l'association Albert Berger. Vous verrez, on discutera avec elle. Bonne semaine à tous et à lundi. Salut! Alors, notre invité, Sophie. Bonjour. Véro. Bonjour, Véro. Bonjour, Véro. Notre chef. Voilà. Voilà, la séquence bisous, c'est très important. Mais c'est bientôt la journée du bisou. Mais tout à fait. Alors, on parle détox, Caro. On a préparé. Oui, parce c'est que mieux, ça se prépare à moi. Qui est la personne qui joue du tam-tam ici, qu'on me le dise tout de suite? C'est Véro.